C'est une humiliation. C'est la vie qui nous rend comme ça à cause que tout augmente, tout est cher. Nous avons rencontré Muriel chez elle. La femme de 75 ans vit dans un petit logement très modeste à Montréal. Elle garde son carnet de compte à portée de main. Au moins, je vois ce qui rentre et ce qui sort. Chaque dépense est soigneusement inscrite, mais son budget s'est drastiquement resserré à l'hiver 2022. Sa mère de 97 ans, avec qui elle vivait, a fait une mauvaise chute, a été hospitalisée et placée en centre d'hébergement. Là, je me retrouvais toute seule à tout payer ici. Le loyer, l'électricité, la télévision. Le centre d'hébergement, c'est pas gratuit. Dans sa chambre, il n'y avait rien de compris. Là, on nous a prêté un petit frigidaire, on nous a prêté un radio, puis ils lui ont fourni un téléviseur, parce que je ne pouvais pas me permettre d'acheter ça. Quelques semaines plus tard, elle déclare faillite pour un montant total d'un peu plus de 10 000 $. C'est une troisième faillite pour elle. Il y en a beaucoup qui se privent de manger ou qui ne prennent pas leurs médicaments parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les payer. J'ai travaillé 46 ans. J'ai commencé à travailler à 19, puis j'ai arrêté à 67 ans. Je me ramasse aujourd'hui à 75 ans, puis avec rien en avant de moi. Un peu plus tard, au tour de sa mère de déclarer faillite. Sa dette, 8 628 $. Elle a fait augmenter sa carte Visa pour payer justement ses chaussures puis ses autres choses. Là, elle avait plus de médicaments à payer. Quand on parle des gens qui ont plus de 85-90 ans, c'est des gens pour qui là, avoir recours à la loi, c'est une véritable honte. J'ai eu des clients qui se sont presque privés de manger pendant des semaines pour donner de l'argent à une agence de collection qui les appelait à tous les jours. Avec l'inflation et toutes les factures qui augmentent, la situation devient de plus en plus précaire pour les aînés, ne laissant plus de place aux imprévus. L'an passé, plus du quart des dossiers d'insolvabilité chez les 65 ans et plus au Canada se trouvaient au Québec. Marie-Claude Paradis-Desfossés pour TVA Nouvelles.